Je m'attendais pas à te croiser. À moi non plus, si tu veux savoir. À la première seconde de la première minute, j'ai su que j'allais l'aimer, que j'allais souffrir. Deux hommes qui se sont aimés se retrouvent, peut-être par hasard, peut-être pas, dans un bar d'hôtel désert et vide la nuit. Tu m'en as voulu. Ton absence d'un coup, ça a été terrible. D'être parti sans prévenir. Un garçon de 30 ans ne reste jamais longtemps avec un type de 50. Eh ben t'avais qu'à partir. Tu m'impressionnais. Et puis j'étais jamais allé avec un vieux. Un pas en avant, deux pas en arrière, un pas de côté. C'est vrai que ça ressemble à un tango. C'est des gens qui s'attirent, qui ont envie d'être ensemble, qui se repoussent. T'as continué à m'aimer après ou c'est parti tout de suite? Tout ça c'est du passé. Aujourd'hui c'est le monde réel. Assez rapidement, on oublie que ce sont deux hommes. Et du coup, les spectateurs vont se dire, mais ce qu'ils sont en train de se dire là, je l'ai déjà dit, ou j'aurais pu le dire, je l'ai vécu, ou j'aurais pu le vivre. On parle au cœur directement, sans passer par l'intelligence. Et la souffrance d'après la séparation? À quoi buvons-nous? À nos amours, pourquoi pas? Ah, c'était le prix à payer, ça c'est comme au restaurant quand on te présente l'addition. Ça t'a pas empêché de bien manger.